une charge de travail en constante augmentation et une prime de 150 euros qui leur a été refusée. Ce sont les deux revendications principales des puéricultrices et employées des crèches municipales. Des crèches largement en grève ce matin. Sur les 13 établissements de la ville, seuls 3 ont fonctionné aujourd'hui. Dans cette profession, les débrayages sont très rares. Le ras-le-bol est donc maximum. C'est un mécontentement latent qui existe depuis plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années, qui a trait, j'irais, aux conditions de travail, à la charge de travail qui n'a eu de cesse que d'augmenter dans les établissements de la petite enfance de la ville de Tours. En tout cas, c'est ressenti comme ça par les gens. On est là pour demander des moyens supplémentaires pour faire un bon travail, un travail de qualité. Travail de qualité auprès des parents et des enfants, essentiellement auprès des enfants. Donc on demande du personnel, en fait, supplémentaire. Et on a vraiment envie d'être, d'avoir des chiffres exacts concernant vraiment les moyens qu'on va nous donner pour pouvoir faire au mieux notre travail. La ville de Tours ne peut nier le problème car au même moment, une commission de recrutement se tenait en mairie. 3 personnes viennent d'être retenues pour renforcer le réseau et pallier au congé maladie non prévisible. D'ici la fin du mois de janvier, nous aurons 5 personnes complémentaires. Et l'engagement, encore une fois, qui a été pris avec Gérard Girnault, c'est d'anticiper. Donc nous allons mettre un système qui permettra de recruter et avec notamment les écoles de périculture, avec qui nous avons établi de travailler ensemble et qui nous fassent connaître au fur et à mesure les professionnels qui se forment. En fin de matinée, après une courte manifestation place Jean Jaurès, une délégation a été reçue. Si des moyens humains supplémentaires sont prévus, la prime de fin d'année ne sera pas débloquée pour raisons statutaires. Malgré un préavis de grève déposé il y a 10 jours, beaucoup de parents ont été prévenus au dernier moment. On a été reçus par la mairie très tardivement par rapport à un préavis de grève qui a été posé quand même il y a 10 jours. Donc ça ne nous a pas laissé une marge de manœuvre assez grande pour expliquer aux parents réellement ce pourquoi on faisait grève. Il y a quand même apparemment une partie qui est solidaire, mais une partie qui se sent aussi prise en otage parce que nous n'avons pas eu le temps d'expliquer pourquoi nous étions là aujourd'hui. L'accueil des enfants devrait reprendre normalement dès vendredi, mais d'autres perturbations sont à prévoir le 29 janvier.